Bonjour Bernard. Bonjour. Nous sommes donc toujours au salon de Saulieu, donc enchanté de te revoir. Oui. Alors Bernard, tu as plein de livres sur ton stand, tu es dans différents genres. Je note qu'il y a des choses sur la sculpture, parce que tu es sculpteur. Oui. Mais je vois aussi des livres sur le vin, des livres qui ont l'air historiques sur la tentation d'Ève, la mystérieuse Jeanne Barret. Et même des livres qui ont l'air d'être de fantastique ou de la science-fiction. Absolument. Alors ben, oui, non, mais j'aime bien me renouveler. Et puis le fantastique, la science-fiction, c'est peut-être mon préféré. Voilà. Mais je suis sculpteur de profession, donc j'ai des bouquins sur la sculpture, j'ai des bouquins sur l'art, j'en ai un sur le vin à travers l'art, et puis. Sur le patrimoine, industriel, et puis des romans historiques. Un roman sur la bourguignonne Jeanne Barret qui a fait le tour du monde en bateau au XVIIIe siècle. Et puis deux romans historiques médiévaux, voilà, autour du sculpteur Gisle Bertus. La tentation d'Ève qui parle de quoi alors? Alors la tentation d'Ève, c'est. Ça se passe donc au XIIe siècle, autour du chantier d'une cathédrale, et ça me permet de parler de l'art, du monde, des gens qui travaillaient sur un chantier, les charpentiers, les tailleurs de pierre, et toute cette atmosphère très effervescente et très vivante autour du chantier. Voilà. Et parler de la vie au Moyen-Âge, comment les gens mangeaient, comment ils s'habillaient, comment ils s'aimaient. Il y a des histoires de lépreux, il y a un meurtre, il y a des histoires d'amour, voilà, c'est un beau roman d'aventure médiévale. D'accord. Et il y a une suite, La Tentation d'Ève 2. Il y a une suite où on retrouve les mêmes personnages, mais qui circulent à travers la France sur les routes de pèlerinage vers Compostelle. D'accord, donc ah oui, vers Compostelle. Donc il y a aussi est-ce qu'il y a une dimension religieuse dans ton ouvrage ou pas? Religieuse, non, mon livre n'est pas religieux, mais le Moyen-Âge était religieux. Oui, effectivement. Il était complètement baigné de religiosité et le pèlerinage, ça faisait partie. Et ça permettait surtout à mes héros qui avaient des problèmes de se dissimuler au milieu des pèlerins. D'accord. Et alors, et ton dernier livre, Le vin au bonheur de l'âme? Ah mais ça, bon, c'est un livre auquel je pense depuis presque 30 ans. Donc j'ai collectionné beaucoup d'œuvres qui parlent du vin, des œuvres d'art, des peintures, des sculptures, des tapisseries, des vitraux. Et ça raconte toute l'histoire du vin, non seulement en France, mais en Turquie, en Iran, en Grèce, voilà. Alors tu m'as parlé que tu es sculpteur, est-ce qu'il y a un endroit où on peut voir tes sculptures? Oui, j'ai un site, morogaudry.com, oui. Donc moro-gaudry ou morogaudry? M-O-R-O-T, c'est le tiret du 6, gaudry, G-U-D-R-Y.com, voilà. D'accord, et donc on peut voir toutes tes œuvres comme ça. Et en vrai, est-ce que tu as un atelier qui se visite ou quelque chose de ce type? J'ai un atelier à Autun, oui, qui se visite. D'accord. J'ai pas un atelier, j'ai plusieurs petits ateliers, un qui est spécialisé dans la pierre, un dans le métal, un dans le bois, voilà, avec des outils différents. Ah oui, donc en fait tu sculptes sur différents matériaux, pas que sur la pierre? Non, pas que sur la pierre, non, dans tous les matériaux. Mais moi j'ai beaucoup travaillé en commande publique, commande publique, on fait un peu ce que souhaitent les commanditaires et oui, bien sûr. Faut savoir travailler un peu tous les matériaux. Ok. Et mais écoute, sinon Bernard, tu as des projets, la suite, ça serait quoi? Alors, je suis en train d'écrire
une biographie de Commerson. Commerson qui était le grand naturaliste amant de Jeanne Barret et qui a fait le tour du monde et qui est mort à l'île Maurice au XVIIIe siècle. Un personnage tout à fait extraordinaire. Là, ce serait une belle biographie. Donc c'est presque une sorte de Jeanne Barret 2, quoi. Oui, mais vu de l'autre côté. Voilà, oui, mais c'est intéressant. Oui. Et donc ça, une sortie qui serait prévue pour... Eh bien, pour le 250e anniversaire de Commerson, donc ça devrait sortir au mois d'avril. De l'année prochaine. Eh bien, écoute, merci Bernard pour toutes ces précisions, et puis excellent salon ici à Saulieu, et à bientôt. Merci, cher ami. Au revoir.